à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay de ma part sur du Call of Duty Cold War, où je vous présente dedans ma classe de la LC10. Donc à la base, cette vidéo, ça devait être une vidéo complètement différente. Je devais vous présenter les mitraillettes en diamant que je devais débloquer. J'avais enregistré tout ça, j'étais super content et tout. Sauf que Activision, je vous déteste avec vos bugs à la con là. Désolé, faut pas dire de gros mots. Et bah du coup, à la fin, j'ai eu un bug. J'ai pas eu l'animation comme quoi j'avais les trucs en diamant, tout ça. Enfin, j'ai eu le premier. Vous savez, normalement, il y a une petite animation où on voit toutes les mitraillettes qui défilent avec AK, diamant, machin, tout ça. Et forcément, bah, moi, je l'ai pas eu. Hein, j'ai même dû relancer carrément le jeu parce qu'il avait complètement planté, donc j'étais vraiment dégoûté, parce que bon, pour avoir les trucs en diamant, faut quand même tryharder un petit peu, faut faire tous les défis, tout ça, c'est assez chiant. Donc à la base, ça devait être celle-là. Donc du coup, bah, je me suis dit bon, bah, je vais me retourner, et puis bah, je vais vous présenter ma classe spécifique à la LC10, qui est une petite mitraillette, un petit bijou, franchement nickel. Vous allez voir, une fois que vous avez débloqué pas mal d'accessoires et tout ça, franchement elle est mortelle, c'est le cas de dire. Une autre chose à vous préciser, je vous présenterai cette classe donc à la fin de la vidéo. Là vous aurez deux gameplays différents. Il y en aura une sur Apocalypse, c'est la nouvelle map de Call of. Et une deuxième sur je vous oublie tout le temps, Cartel. Cartel, c'est pas ma map préférée, mais au final je m'en suis plutôt bien attiré, et puis je pense que c'est assez cool à regarder. Puis voilà. Vous pouvez le voir aussi là. Enfin, ou là, je sais pas, là, je pense, je me suis fait plaisir en voir aussi en même temps. Je me suis dit, tiens, je vais prendre un petit skin dans la boutique. Comme vous savez, je suis un pigeon, entre guillemets. Et du coup, je m'étais dit, bon, allez, pour me venger un petit peu, je voulais me prendre un petit truc. Et j'ai trouvé ce skin. Franchement, je le trouve très stylé. J'aime bien, parce que maintenant que j'ai débloqué les diamants, je trouve que franchement, le combo, parce que quand vous voyez le skin, il est avec son sweat blanc, ça fait un petit peu comme les diamants. Il a des trucs un petit peu dorés partout. Et je trouve que ça va super bien avec les mitraillettes en diamant, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est cool ou pas. Et puis voilà, je vous présenterai aussi un petit peu au niveau du pass de combat, où est-ce que j'en suis et tout ça. Et puis voilà, aussi une chose, j'ai, comment s'appelle, La vidéo, je l'ai fait en deux fois, hein, donc vous inquiétez pas, le gameplay date d'il y a quelques jours déjà, et puis aujourd'hui je vous présente la classe, donc entre temps j'ai évolué, et puis bon, bah, j'aurais pas non plus les mêmes vêtements, hein, c'est logique, et puis voilà, let's go. Donc bon, bah, on est parti pour le gameplay. Avant toute chose, s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas, franchement ça aide vraiment la chaîne à grandir, hein, on essaye de grandir un maximum. Un petit abonnement en même temps, puis un petit commentaire, comme ça, ça fait plaisir, et puis comme ça je vous casserai plus les pieds. Et puis voilà, c'est parti pour le gameplay, allez, let's go. Bon, bah une fois de plus, je vais me faire du Apocalypse. Et on peut dire que celle-là, j'aurais tryhardé. Hein. Franchement, en 24-24, j'ai fait tous les modes de jeu, je les connais par cœur, la map. Là, j'ai tryhardé pendant 2-3 jours, j'ai fait que cette map-là, franchement. Mais franchement, ouais, je la kiffe, elle est vraiment excellente. Hein. Là, pour le coup, ils ont bien taffé. Bon, encore heureux parce qu'il n'y en a qu'une seule. Hein. Franchement, Activision, moyen quand même. Hein. Franchement, la map, elle est top. Mais il en aurait fallu au moins deux quand même, hein, deux maps nouvelles et puis deux maps anciennes par exemple, ça aurait été cool. Je me souviens à l'époque on payait 15 balles, on avait 4 maps dans deux remasterisées, mais bon au moins, enfin dans deux anciennes, mais bon au moins on en avait 4 quoi. Parce que là une seule c'est un peu ledge quand même, hein, mais bon. Mais bon, heureusement vous avez assuré, franchement elle est tip top, j'aime bien. Allez, let's go, c'est parti. Allez. Match à mort par équipe. Ouais, c'est du match à mort, j'aime bien le match à mort. La mission est lancée. Faites tomber le marteau. Allez. Hop, j'envoie toujours un petit cadeau avant de rentrer. Hop. Salut. Ouais, deux secondes, laisse-moi recharger. Ouais, je l'entends. Allez. Voilà. Alors s'il y a quelqu'un à la fenêtre. Oh putain. Ah! Eh, je la laisse en vidéo ou pas celle-là, parce que j'ai l'air con là. Limite j'aurais pu lui faire un bisou. Et je l'avais pas vu sur le coup. Je vois le lézard rouge là au boulot, je me dis c'est pas le mien. Allez voir là. Il y a souvent un gars à la fenêtre là, puis celle de. Ouais, ça tournait, je l'entends, je les entends. Allez, viens. Non mais. Quand je dis venez, prenez un ticket. Bon, les long shots par contre, c'est le seul défaut de cette arme. Bon, après, on peut pas être balèze dans tout. Le long shot, il faudra un très très bon shoot, quoi. Il y en a qui l'ont, mais moi j'ai pas un super shoot, donc
personnel off. Non, allez. Non. RCXD ennemi dans votre zone des opérations. Bon, on va voir au spawn si. S'ils sont là. Oui, il y a un... Bah voilà, ouais, ils sont là, c'est ce que je dis. Attends. Quoi? Je suis mort là. Bon, on va pas le prendre ce duel là. Quoique si. Attends. On va faire le tour. Voilà. Fallait demander. Et... Non. Oh bah bien, lui doit avoir une bonne vie. Lui il doit avoir passé un peu un pantin tous les 3 jours. C'est pas évident de jouer, de se filmer en même temps, de savoir qu'on est filmé, de pas s'entendre pareil avec le casque. C'est bizarre. Là, c'est une grande première pour moi. Voilà. Bon, Maurice il est là. Il est là. Putain. C'est encore mis en foire. Hein. Ouais. J'aime bien les Semtex. Ouais. Parce que je pensais quand j'ai envoyé la grotte tout à l'heure, je me suis dit. D'habitude ça fait la petite lumière quand ça se colle et puis je l'ai pas vu. Un bon appel ennemi en approche. Allez, là, viens là Maurice, viens là Maurice. Viens. Allez, viens. Tu pousses les bouchons un peu trop loin Maurice. Bon, pour ceux qui ont la référence. On va devoir se venger là parce que... Avion espion ennemi en approche. J'espère qu'on m'entend bien parce que je suis pas complètement près du micro là. Je sais pas quel son ça ira. On a pris l'avantage. Mon spawn. Faire le tour. Bon, notre copain, là, notre pote, il est là ou pas? Hop. Non. Non, pas de Maurice. Non. Il a trouvé un autre endroit. Hein. De toute façon, les campeurs, c'est toujours de l'imagination. Hein. T'inquiète pas. Là, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a qui joue au couteau. Allez. Ah, je sais pas si vous voyez la mire, mais elle est toute petite. Elle est bien. Moi, j'aime bien ça. Avant, quand je jouais à la bison. Ah. Attends, on va faire le tour. Salut. Ouh oui, toi je t'ai vu à gauche. Un kill gratos, hein, ça se refuse pas. Hop. C'est vrai que je fais toujours un petit peu le même parcours, j'ai un petit peu toujours le même chemin. On est en train de perdre l'avantage. Je vais descendre la fenêtre là-haut, à la porte. Aïe. On prend le contrôle. C'est toujours au moment où tu te barres qu'il y en a qui arrive quoi. Bon. Alors Maurice il est caché où là? Nous ne sommes plus en tête. Ouais. Voilà, faire le tour en général j'aime bien les prendre par revers. Hop. Voilà, ça dégage. Ouais. Ouais. Là on va aller au spawn. Oh. Ouais, bon là c'est un peu ma faute, je m'en doutais. RCXD ennemi dans votre zone des opérations. Dans l'activité de la direction à 50%. Deuxième. Allez, viens. Allez. Il voulait pas mourir, viens. Salut. Ouais, encore un autre. Allez, fais pas le timide. Ouais, il a fait le tour.
Bon, je pense qu'il est mort, il s'est fait tuer. Salut. Salut. Bon bah... Eh, moi je suis poli, j'aurais dit salut à tout le monde. Bon, je suis malin, mais je suis pas comme... Hop, allez. Là, spawn. Allez, fais-moi un petit strike là. Ah, deux kills, c'est toujours bon à prendre. Eh, c'est pas tout le temps qu'on fait deux kills, hein. Des fois j'en fais 0, c'est 2 buts. Hop, dégage. Hop, ça dégage. Allez, un troisième pour la route. Ça arrive par là. Ah, j'entends, je t'entends. Allez, viens. Viens, mais arrête de courir. J'espère que je suis assez près du micro, à chaque fois je m'avance. Ça je le savais. Je m'en fous, il est mort quand même. Colis stratégique ennemi dans les voilà, airs. On est à 90. Ça dégage. Allez. Bon. Allez. L'artillerie ennemie visible. On va faire le tour parce que tout à l'heure j'ai fait le coup. On approche. Cette distance là, à chaque fois j'ai toujours mieux. Bon allez, on est 96, on est bientôt à la fin. Allez, un ou deux petits kills, ce serait cool. Est-ce qu'il y a du monde là dedans? Non. Ça, il est où l'autre? Il est où? Il est où? Hop, hop, là il y a le nez. Bon, bah c'est cool. 28-15, ratio de 1,85. Ça va, je suis le premier. Ah bah. Eh, c'est moi qui ai activé le game. Cool. Ah, celle où j'ai fait la sanguinaire, je crois. Ouais. Cool. Ça va, je suis correct. Je suis content de game. Bon, bah du coup, celle-là, c'est rare sur YouTube. Cool. Bon, allez, on se retrouve sur Cartel. Bon, Cartel, c'est pas la map préférée. Enfin elle est bien mais c'est pas ma préférée, les fougères là qui sont au milieu machin, c'est casse-pied. Allez. L'entraînement est terminé. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Je suis con. Non bah non, je suis con, attends, je vais passer par là. Il y a un petit endroit que j'aime bien tout le temps là. Parce qu'en général, ça arrive toujours par là, voilà. Ça balance les greux. Hop, non. 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 Ah, ils sont là-dedans. Allez, viens, viens, viens. Salut. Allez, soyez pas timide. Encore du monde là-dedans, apparemment. Hop, ah, je t'ai vu. Voilà. Allez. Il y en a. Voilà. Vous avez vu les amis, la cadence de tir. Sans cette cadence de tir, franchement, il y a du kill, hein, je ferais pas. Ah, j'y vois rien. Purée, mais ça c'est à cause de l'allié aussi là, avec sa fumigène là, sérieux. Qu'est-ce qui fait chier avec des fumigènes? Il faut autant chier les alliés que les ennemis, alors je vois pas. Enfin bon bref. On va pas rager. Et pourtant il y a de quoi rager sur Call of. On va bouger un peu parce qu'après on va dire que je campe, alors... Alors je ne campe pas, je temporise. Hein, parce que comme je sais que ça vient de par là-bas, viens ici toi, viens ici, viens ici. Allez, mais arrête de partir. Ouais. Ah, toi aussi je t'ai vu. Oh là. Il m'a pris pour un jambon là. Allez, viens, viens. Voilà. Hop. Ah, vous voyez, c'est ce coin-là que j'aime pas avec les fougères. Oh. En général, j'aime bien couper la route quand ça arrive par là. Non. Non. Ça a tourné le spawn? Non, bah non. Il y a un point rouge là. Il y a un point rouge, allez. Viens.
On a perdu la première place. Allez, s'il te plaît. Voilà. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Vraiment. On prend le contrôle. Putain. Vous voyez, des fois, j'ai l'impression d'avoir peur de FPS. Il y a du monde là-dedans, il y a du monde. Bah, bien sûr qu'il y a du monde. Putain, je crois que c'est un allié sur le coup. Ça dégage, ça dégage. Bon, pour l'instant ça va. 30-20. Voilà. Allez. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. Yes. Non. Allez, bah alors, on va se cacher dans les fougères. C'est pas des fougères, mais bon. Vous avez compris. Hop, hop. Non, viens ici, toi, viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Ça va, il n'y a pas trop de Maurice ici. Allez, viens, viens là, viens là. Putain, je sais pas si ça vous arrive quand ils sont deux comme ça, des fois je sais pas quoi. Je sais pas lequel choisir et puis du coup bah. J'en choisis aucun des deux, ceux qui me choisissent. Allez, pas. Bah. Remarque, j'aime bien retourner. Tiens. Rien à foutre. Je suis mort, mais t'es mort aussi. Allez, fais-moi un petit strike, j'aimerais bien. Bon, bah, ça fera un kill. Hein. Bon, réussi. Ouf. Ouf, ça pue la merde. Ouf, ça pue la merde. C'est chaud pour ma gueule. Voilà, ça c'était sûr et certain. Bien joué lui, bien joué. Bon. On va aller voir s'il est toujours là, puisque comme le spawn à chaque fois il tombe super vite, du coup on sort tout derrière les ennemis. Non. Allô, non, on fait le tour, personne. On regarde les sourires. C'est pas grave. Oh mais attends, tiens, tiens, cadeau. Cadeau. Non, non, je t'en remercie. Je t'en prie, c'est pour moi. C'est pour moi. Cadeau. J'adore. Oh putain, je fais mon malin, je vais me faire plomber. Voilà. Eh bah. Ça c'est le karma ça. Ça c'est le karma qui te rappelle que quand tu fais trop le malin, bah tu t'en prends une derrière. Voilà, voilà, ça va prendre un. Bon, elle... bon allez, on est là pour rigoler quand même. Bon allez. Que je dis rigoler, mais Call of, ça énerve beaucoup aussi. Ah, tiens, eux par exemple, ils doivent être énervés, c'est sûr. Bah voilà. Ça pour la kill cam ça peut être cool ça. Voilà. Hop. Voilà. Je voyais plus où ils étaient. Enfin j'en voyais plusieurs, c'était bizarre. C'est-à-dire qu'il y a encore du monde là-dedans. Ah. Avion espion ennemi en approche. L'avion espion est à sec. Retour à la base. Bon, désolé, je parle pas beaucoup parce que je suis assez concentré. Mais arrête de me tirer dessus, toi. T'es mon ami. Putain, quand t'as des alliés qui te tirent dessus, t'as pas besoin d'avoir d'ennemis, hein. Allez. Il y a du monde. Ouais, il y a toujours du monde, mais... Non... Frappe au napalm ennemi en approche. Oh putain, napalm. Il y a
toi, viens là, viens là, viens là, viens là. Oh. Voilà. On va aller voir s'il y en a d'autres qui débarquent de là. Non, personne là. Non. Ah, si, je t'ai vu passer. Allez, on va courir. Eh oh, oh copain. On vient là. Léon. Oh, oh. Cours pas si vite. Oh putain, j'ai eu peur qu'on me le vole celui-là. Eh oh. Du coup, ça va arriver d'où là? Ça va arriver de là. Hop. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, 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 allez. Non. Ah, j'aurais pu avoir le dernier, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Bonne game quand même. Bonne game. 28-11, 2-55. Pas mal. Je suis content. J'aurais été encore plus content si j'avais aussi la kill cam parce que... Comment dire? Ouais, la sienne elle est bien, mais bon, j'en ai fait peut-être 2-3 aussi qui étaient cool. Voilà, en tout cas, j'espère que ces deux petits gameplays vous auront plu. Alors, on va aller voir pour la classe. Avant ça, on va aller au pass de combat. Donc, pour le pass de combat, vous voyez, là, je suis au niveau 85. Donc, voilà, j'ai un petit peu tryhardé quand même. Donc là, hop, on avance, on passe au numéro 95. C'est celui qui m'intéresse le plus dans les médias, c'est le camouflage réactif. Franchement, camouflage réactif sur la Phara, ça doit être sympa. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ce skin-là, franchement, et le camouflage pour la LC10. Je suis curieux de voir ce que ça donne, si la mire et tout ça est un petit peu différente et tout ça. Donc, franchement, il me tarde. Bon, allez, on va aller voir ce que j'ai mis dans ma classe. Donc pour la lunette c'est le seul accessoire que j'ai où j'ai rien mis. À l'époque où je jouais à la bison sur Modern Warfare, je jouais beaucoup mieux sans lunettes qu'avec. Du moment où la mire elle est très bien, du coup on a rien qui gâche la vue ou quoi que ce soit, tout est complètement libéré et comme elle est très précise, elle gêne pas du tout, je la trouve très très précise, mais bon. Donc au niveau de la bouche j'ai mis silencieux à Jancy. Donc là c'est principalement pour le recul vertical. Vous verrez qu'une fois qu'on a les bons accessoires, elle bouge vraiment vraiment pas, hein, c'est le but d'avoir une petite mitraillette comme ça. Au niveau du canon, canon j'ai mis corps expéditionnaire, donc là du coup on regagne aussi un petit peu en dégâts et surtout en portée des dégâts, donc ça c'est vachement important, et surtout au niveau de la vitesse des balles, plus 75% et 50% pour la portée des dégâts, franchement c'est pas mal. Au niveau du corps, bon j'ai mis laser de visée stable, bon là à la rigueur bon vous mettez ce qui vous plaît le plus, bon il n'y a pas trop de trucs à voir, mais bon là vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Au niveau de la poignée, j'ai mis la poignée de agent de terrain, donc là toujours pareil pour le contrôle du recul vertical et contrôle du recul horizontal, là vous avez encore plus 6% plus 20%, autant vous dire que l'arme est très 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 stable et elle bouge vraiment pas, de toute façon vous avez pu le voir dans le gameplay, franchement elle est super stable, donc c'est très très cool. De toute façon c'est le but, hein. Alors le chargeur, j'ai mis donc le chargeur de 52 cartouches salve, donc ça c'est pareil, capacité du chargeur 52, rapidité de rechargement 1,3 secondes, ça c'est excellent. En plus au départ vous avez 156 balles, donc nickel. Poignée, bon bah ça c'est revêtement élastique, hein, c'est ce que je mets sur toutes mes armes, hein. C'est surtout pour le temps nécessaire pour regarder dans le viseur, c'est très très rapide en fait à regarder dans le viseur, enfin c'est beaucoup plus rapide pour regarder dans le viseur, donc bon, par contre ce qui est chiant c'est que ça se débloque assez tard quand même. Et au niveau de la crosse, j'ai mis donc la crosse Rider, donc pareil, transition du sprint au tir. Franchement c'est nickel, c'est ce qui vous permet toujours de rusher, d'aller vite, d'avoir de la mobilité et tout ça. Donc puis bon, la vitesse de marche en avant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas toujours à mettre un maximum de pouces bleus. Dites-moi aussi si jamais vous voulez que je vous présente un petit peu mes autres classes en mitraillette et tout ça, parce que bon là j'ai débloqué les mitraillettes en diamant, je suis en train de débloquer les fusils d'assaut. Mais dites-moi si jamais il y a d'autres mitraillettes, peut-être que je vous ferai peut-être comme ça une série avec un gameplay sur chaque mitraillette, parce que bon il y a la Milano qui est intéressante, il y a l'AK-64 qui est excellente, il y a la Bullfrog, j'adore la Bullfrog aussi, donc bon, dites-moi si ça vous intéresse, et puis je vous ferai peut-être d'autres vidéos en vous montrant aussi mes classes et tout ça, et puis ce qu'on peut mettre dessus, voilà, donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la fois prochaine, ciao.